sais, papy, dans ma classe, il y a un garçon, la maîtresse le gronde parce que quand il tousse, il met pas la main devant la bouche. Alors il tousse sur les gens. Viens par là, mon petit gars. Je vais te raconter une histoire. Il y a très très longtemps, la planète était pleine de forêts, d'animaux, de lacs et de ruisseaux. Puis, petit à petit, il s'est mis à construire le monde, à bâtir des châteaux, des empires. Et bien que la Terre ait changé plus de 1000 fois de visage, il y a une chose qui n'a pas changé. C'est quoi, papy ? Depuis la nuit des temps, il y a une espèce d'être humain, une race à part entière, dont il faut se méfier, qu'il faut tout faire pour éviter. C'est qui, papy ? Les fils de pute. Mais comment on les reconnaît ? Non, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup, et de plus en plus. Mais tu vois, par exemple, un fils de pute, c'est celui qui avance vers le comptoir d'un bar et qui crie... Le dernier ! Bergis ! C'est celui qui enlève ses chaussures dès qu'il peut et n'importe où. Le fils de pute. C'est celui qui te ramène chez toi, qui te dit merci, qui te demande... T'as pas 7 balles pour l'essence. Ah, le fils de pute! Il y a aussi ceux qui, quand tu ouvres une canette ou que tu sors un truc à manger, sont obligés, parce que c'est dans leur sang, ça coule dans leurs veines, de te regarder, de te dire... Tu lâches une morse pour voir? Pour voir quoi, fils de pute? Ça, c'est un fils de pute descendant d'un fils de pute. Ça va, papy ? Les fils de pute. C'est ceux qui écoutent leur musique de merde sur haut-parleur dans les transports. Vous calmez, monsieur, hein ? Ouais, on tue les roules. Les fils de pute, c'est ceux qui voient des triangles partout. Israël. Les fils de pute, c'est ceux qui se la pètent en sortant du cinéma. C'était trop bien, hein ? La version danoise est vachement mieux quand même. Les fils de pute, c'est ceux qui font semblant de pas savoir que t'étais là avant eux. Chef, une panache, s'il te plaît. Les fils de pute, c'est ceux qui descendent une fois en boîte à Barcelone et qui te racontent « Ah, c'est ma vie préférée !» Les fils de pute, c'est ceux qui te disent « Oh, moi, je ne fume qu'en soirée !» Les fils de pute, c'est ceux qui répondent pas à Facebook, alors qu'ils sont marqués « Vu à 17h05 !» Les fils de pute, c'est ceux qui se collent à 5 centimètres de ton cul sur l'autoroute, alors que vous êtes tous les deux de des bagnoles à 125 km à l'heure. Si tu regardes un film avec un fils de pute, il va dire des choses comme « Ah, oh là là, t'as vu ça ?» Non, je regarde la télécommande. Les fils de pute, c'est ceux qui sont jamais libres pour ton déménagement, alors qu'ils sont toujours là, alors pour des zones crémaillères. Bah alors, on n'invite plus les potes. Bah merci pour l'accueil. C'est ceux qui te disent, fais comme chez toi et qu'ils font comme chez eux. Ça relève. Les fils de pute, c'est qui ça? Ça va. C'est à cause de tous ces fils de pute. Attends, j'ai besoin de quelque chose de sucré. Qui c'est qui osait remettre ça au frigo? Ben, c'est moi, papy. Papy? Moi, Jojo, c'est un fils de pute. Oui, c'est un tout gros fils de pute.